Bonjour Olivier Panis. Bonjour. Alors, en ce début de semaine de la Coupe France du Monde, comment vous abordez la course? Bien, on va dire, c'est lundi en vacances, donc on aborde toujours bien. Non, honnêtement, c'est, pour nous, c'est un 24 heures du Mans très important, très positif, parce qu'on a la même voiture qui a gagné l'année dernière, donc de démarrer les 24 heures du Mans avec un potentiel de podium, c'est toujours super excitant. Maintenant, les 24 heures du Mans, il faut être plein d'humilité pour cette course, parce que c'est difficile, long, avec beaucoup d'imprévus, mais déjà faisons notre travail qu'on sait faire, et puis après on verra à l'arrivée ce que ça va donner. Il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de préparation pour les Mans Series et maintenant pour la course des 24 heures. Oui, on a eu beaucoup de chance d'avoir la Peugeot très tôt au mois de février, donc on a beaucoup roulé avec, on a fait la course du Paul Ricard, bon, Spa ça s'est arrêté un peu plus tôt que prévu. Bon, ça, c'est des incidents de course, mais je crois qu'on a fait beaucoup de kilomètres, on est assez prêt, on connaît bien la voiture. Donc voilà, maintenant, tout le monde est motivé, concentré, ici, prêt pour la bagarre. Donc attendons le samedi 15h. Alors justement, suite à Spa, vous arrivez ici avec le désir de faire mieux, un peu plus la rage. Oui, bien sûr, on est super motivé, on a très envie de bien faire, on a l'opportunité, encore une fois, comme je vous l'ai dit, d'avoir une super voiture. Maintenant, on va se battre à fond. On est un peu revanchard, donc on va se donner à fond, mais on sait aussi qu'il faut être sage, la course est longue, il ne va pas falloir faire n'importe quoi, donc il va falloir bien se préparer avant samedi. Merci beaucoup, on suivra votre course sur lemans.org. Merci.